Salut les amis, bienvenue dans Tone Factory. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle marque, Jackson Audio, et la Bellstar, un overdrive qui est censé imiter un petit ampli à fond. Alors on va revenir là-dessus. Moi j'adore ce délire de mettre un petit ampli des années 50, genre Champ, etc., de chez Fender à 10, un micro devant, et avoir ce son Roots, ce gras naturel que produisent ces petits amplis au wattage assez faible. C'est censé voilà, reproduire ce feeling, ce gain assez naturel. C'est très bien fait, vous allez voir. Au niveau de la pédale, on est vraiment sur la simplicité même, hein, vous avez vu. Au niveau du design, c'est vraiment très simple et c'est voulu. Au niveau du son également, c'est vraiment brut de décoffrage. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette pédale. Alors ce que je vous propose, c'est de l'écouter tout de suite au niveau du gain, c'est-à-dire de voir la pédale avec son gain minimum jusqu'à son gain maximum en passant par plusieurs étapes. Vous allez voir qu'il y a des personnalités de la pédale qui se dégagent. Plus on monte le gain, plus on obtient justement ce fameux grain naturel d'un petit champ à fond la caisse. C'est parti.
Alors voilà pour le gras naturel de cette belle star. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment... J'arrivais même pas à m'arrêter de jouer, encore une fois, quand le matériel me plaît, généralement, j'ai vraiment du mal à me stopper. Avant qu'on aille plus loin, on a ressorti le petit Marshall 20 watts dans Tone Factory aujourd'hui. Pour essayer ça, je me suis dit que ça était un combo qui allait être intéressant, et franchement, ça le fait carrément. Ça rajoute même un petit peu d'aigu. Alors je reviendrai là-dessus, parce qu'il y a la tonalité, il y a body ici aussi, qu'est-ce que c'est que tous ces petits boutons. C'est assez facile, aigu et basse, mais vous allez voir que c'est très efficace, que ça fait aussi partie de la personnalité de la pédale. Au-delà de ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la pédale, je l'ai oubliée, en fait. J'ai mis en route, j'ai tourné le bouton, et j'ai joué, et c'est vraiment terrible de naturel, en fait. On a vraiment l'impression, effectivement, d'un crunch d'ampli. Alors, est-ce que c'est un petit champ? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment réussi à ce niveau-là? Franchement, il faudrait en mettre un vieux à côté. À mon avis, on serait tous d'accord que voilà, c'est un son très très particulier de pousser un petit ampli, mais mine de rien, il y a des grains qui sont très intéressants et qui ressemblent à ça, notamment quand on se trouve au milieu de la pédale. Alors, vous avez vu que quand on monte le grain, je suis parti donc d'abord du son clair de l'ampli, ensuite de zéro, j'ai mis la pédale en route, mais le gain était à zéro. Ensuite, donc on a juste entendu la clarté de la pédale, ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de pédales aujourd'hui, on est obligé de mettre la tone à fond la caisse et on n'est encore pas au niveau de clarté de l'ampli. Là, c'est vraiment mieux que le son clair, entre guillemets, parce que il n'y a pas de gain à zéro, mais on a juste un petit peu de clarté. Ça peut servir donc de boost. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, au quart, on commence à avoir le grain de la pédale qui apparaît, mais on a une pédale assez sage, assez facile à emmener sur des rythmiques blues, comme je faisais. À la moitié, ça commence un petit peu à ressortir, ce côté petit ampli à fond, enfin, en tout cas, ampli de crunch d'ampli à fond. Et après, passer la moitié jusqu'à la fin, donc trois quarts et à fond, là, c'est vraiment mortel, il y a un grain hyper naturel. Alors, c'est un truc vraiment à essayer en comparant ça au crunch naturel, parce qu'on a le même feeling, mais du coup, à bien plus bas volume. Parce que, par exemple, si je veux faire cruncher mon Marshall derrière, qui n'est pas un petit champ, mais bon, qui a un ampli qui crunch assez rapidement, on va dire, c'est quand même très fort dans la pièce. Là, aujourd'hui, on joue carrément pas fort pour cet essai, c'est très agréable, et il y a tout le grain, il y a vraiment du corps, c'est hyper naturel, donc ça c'est vraiment très réussi. Alors je vous parlais de cette pédale qui peut marcher aussi en clean boost, entre guillemets, on va remettre le gain à zéro, juste pour vous montrer rapidement comment déjà la pédale ouvre l'ampli. Alors ça c'est mon son sans la pédale. Et maintenant avec la belle star en route, sans gain, on est vraiment le gain à zéro. Le volume un peu en dessous de la moitié. Clairement que ça ouvre vraiment les aigus, ça ouvre l'ampli, c'est vraiment très agréable. Encore une fois, on joue pas fort du tout et on a beaucoup de largeur, beaucoup de corps sans se casser la tête quoi. Et ensuite je m'amuse à monter donc le volume pour se servir de cette pédale en boost, comme je vous le disais. Hop, on va le mettre aux trois quarts un peu pour voir ce que ça donne. Le crunch de notre Marshall naturel que je reconnais qui débarque, ça sert tout simplement à pousser l'ampli si je le mets à fond. Alors voilà, en clean boost, ça marche vraiment extrêmement bien, sachant que là, j'ai utilisé qu'une fonction, hein, finalement. J'ai monté le volume, j'ai baissé le gain, voilà, c'est vraiment basique, mais on peut affiner tout ça, évidemment. On peut aussi affiner donc la couleur de la pédale, en tout cas les basses et les aigus, c'est deux boutons très intéressants. Tone ici, qui sont en fait les aigus, hein, et body, qui vont être les basses, tout simplement, qui vont ramener du corps à la pédale. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre voilà, le body à zéro, de retourner un peu sur un son comme on était voilà, aux trois quarts, là, j'aimais bien un truc comme ça. Léger crunch.
ça c'est mortel. Je sais pas si ça, je crois que ça va se passer de commentaires. C'est vraiment mortel. Là, je découvre ça avec vous parce que j'avais pas tourné le body à fond encore sur cette fonction. Donc, encore une fois, gain zéro. Hein. Et ça rajoute forcément du gain. Il y a un cran d'arrêt au milieu, donc on monte les basses et ensuite on sent qu'on passe à autre chose. Les basses et le gain vient un petit peu avec, accompagner donc ce corps hein, toujours. Voilà, ça rajoute un petit peu de l'épaisseur au son, sans monter le volume ou très très peu. Donc ça, c'est vraiment mortel. Franchement, à fond, là, c'était un gros, gros kiff. J'ai pas pu m'arrêter de jouer parce que c'était vraiment mortel. J'étais censé faire un jeu de 10 secondes au départ, mais c'était vraiment cool à jouer. Donc ça, hyper intéressant comme bouton. Ensuite, la tonalité. Alors, on va voir ça ensemble. On va repartir de zéro, tiens. Hop. Voilà, avec cette tonalité à fond, c'est tout aussi mortel. Alors, c'est un autre domaine, on tombe plus dans le rock anglais, etc., avec beaucoup de brillance et des choses qui font penser etc. Donc, c'est vraiment des sons que j'adore aussi. Micro chevalet à fond, paf, on tape dans la guitare. C'est moins bluesy, mais ça marche d'enfer. Vraiment impressionnante, cette pédale Bellstar. J'ai eu un gros, gros coup de cœur aussi quand j'ai mis tout à fond à la fin. Ça donne quelque chose d'organique. Alors, beaucoup moins précis, forcément. Il y a tout qui se mélange. C'est pas fait pour non plus jouer comme ça tout le temps avec. Mais voilà, encore une fois, on est le gain à zéro et on a une saturation de l'ampli hyper naturelle derrière nous. Donc, c'est hyper agréable à utiliser comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir à sa fonction principale. Encore une fois, voilà, imiter un genre de crunch d'ampli. Petit ampli, petite puissance, mais cette fois-ci sur un gros ampli. On va changer d'ampli, on va brancher le Kelt Mostro, qui est un ampli qui fait 50 watts, avec 2 6L6, on n'est plus du tout dans la catégorie des amplis qui crunchent facilement, il y a un gros son clair qui ne tord pas si on lui demande de ne pas tordre. Donc c'est ce qu'on va faire, on va régler l'ampli hyper droit, et on va voir comment se comporte cette Bellstar sur une grosse puissance.
Alors on voit que sur un ampli de grosse puissance, là le Kelt Mostro ça fait 50 watts comme je vous le disais, c'est pas la même, ça réagit pas du tout pareil, on est obligé de contrôler un petit peu sa tonalité, vous avez vu je l'ai baissé presque à la moitié, sinon c'est trop open. Alors ça réagit très bien, c'est un overdrive un peu plus classique, du coup on a moins cet effet de petit ampli qui sature, de petite champ entre guillemets qui sature comme ça, roots un peu gras, un peu moins blues rock, ça inspire à jouer d'autres choses du coup, mais c'est tout aussi sympa. Mais personnellement j'ai préféré sur le Marshall un ampli qui compresse un petit peu en 20 watts, qui est un peu moins défini, et du coup voilà, ça rajoute ce côté roots à l'ampli qui en a déjà un petit peu, de ce mojo un petit peu blues rock à la base. Cette pédale vient rajouter un petit peu encore ça, ce qui manque de crunch, ce qui manque de gain naturel en fait. Et finalement là où je l'ai vraiment oublié entre guillemets, c'est bon signe, ça veut dire que là où j'ai vraiment joué de la musique, bah c'est sur le Marshall, voilà, avec ce son très Billy Gibbons et autres qu'on a l'habitude d'entendre quand on pousse un petit ampli, qu'on met un micro devant. Voilà les amis pour cette belle star de Jackson Audio, une nouvelle marque donc qui nous propose ce super overdrive. J'ai vraiment pris une tarte aujourd'hui honnêtement, je pensais pas l'amener dans ces registres-là. Et il fait vraiment le job en blues rock, il n'y a pas photo. Alors on l'a vu, sur le Kelt par exemple, c'est tout un autre registre, c'est quelque chose de beaucoup plus rock en fait, un peu moins blues, un peu moins roots que sur le Marshall. Donc voilà, le matériel ça se teste, je voulais parler de ça avant qu'on se quitte. Le matériel, il faut prendre le temps de le tester, parce que là, pour moi, dans ma tête, ça allait sonner encore mieux sur le Kelt, qui est un ampli vraiment extraordinaire, avec lequel je me régale au studio Tone Factory. Et bah non, finalement, moi j'ai préféré avec le Marshall, voilà. C'est des choix, l'instrument c'est très important, le son c'est très important, donc il faut se poser, aller dans les magasins, essayer tout ça. S'il faut passer l'après-midi entière, il faut passer l'après-midi entière, c'est comme ça. Il faut choisir avec ses oreilles, c'est très important, c'est pas parce que c'est marqué sur le site ou sur le forum que c'est bien et que ça va vous correspondre. Il faut vraiment prendre le temps d'essayer tout ça et faire les bons choix, parce que plus le matériel va vous correspondre, plus vous serez à l'aise avec, mieux votre musique sera, ça c'est vraiment important. À bientôt les amis.